Isaïe, il est écrit, si tu connais la vérité, tu seras libre. Et tu seras libre.
Les antennes relais de téléphonie mobile, ou stations de base, sont à la fois des émetteurs et des récepteurs, contrairement aux antennes de télévision-diffusion ou de radiodiffusion, qui ne font qu'émettre. Elles sont, dans la majorité des cas, composées de trois parties. L'antenne, l'armoire technique, qui contient les équipements de télécommunication, et le coffret d'alimentation électrique. Tous ces équipements constituent en quelque sorte un relais entre votre téléphone mobile et le réseau de votre opérateur. Cela signifie que ces équipements reçoivent les signaux radioélectriques émis par votre terminal mobile pour les traduire en un signal électrique. Ce signal sera par la suite véhiculé via le réseau de votre opérateur jusqu'à votre correspondant. Chaque antenne relais couvre une portion de territoire que l'on appelle cellule. La taille des cellules est plus ou moins grande en fonction de la densité d'utilisateurs présents dans la zone et de l'environnement géographique. Dans une cellule, les ressources radio sont limitées. Cela signifie qu'au-delà de sa capacité, l'antenne relais est saturée et les communications ne passent plus. Les plus répandues sont les antennes macrocellulaires. On les trouve généralement installées en hauteur, comme sur les pylônes, les châteaux d'eau ou les toits d'immeubles. Les antennes relais permettent d'accéder au réseau 2G, GSM ou Edge, qui transmettent la voie des données à débit limité, au réseau 3G, qui permettent d'accéder à l'Internet mobile, et au réseau mobile de 4e génération, dit 4G, pour le très haut débit mobile. On nous demande souvent pourquoi les opérateurs continuent à installer de nouvelles antennes relais. D'abord, pour éviter les saturations locales des réseaux. Plus d'antennes relais égale plus de capacité. Ensuite, pour permettre à tous les utilisateurs d'accéder aux nouveaux services multimédia mobiles et à l'Internet mobile à très haut débit, notamment avec le déploiement de la 4G. Enfin, pour participer à l'aménagement du territoire avec la couverture des zones blanches et les axes de transport prioritaires. En octobre 2013, tous opérateurs confondus, on comptait en France plus de 75 000 stations de radiotéléphonie. Vous pouvez retrouver l'emplacement d'une antenne relais sur Internet en consultant le site de l'Agence nationale des fréquences, www.cartoradio.fr. L'économie encore, avec cet autre visage de la mondialisation. Comment sont transportés chaque jour les milliards de mails, SMS, vidéos ou messages en tout genre qui partent ou arrivent de nos téléphones portables ou ordinateurs ? Voici la réponse. Des dizaines de milliers de kilomètres de câbles sont déposés chaque année d'un bout à l'autre des océans. Comment sont-ils fabriqués, installés ? Quels enjeux ? C'est une course pour le débit qui est engagée et, petit cocorico, la France est leader dans le monde. Enquête Margot Manière, Lou Cricorian. Des câbles posés au fond des océans pour faire transiter vos emails, vos photos, vos vidéos à l'autre bout du monde. Les câbles sous-marins assurent aujourd'hui 99% du trafic mondial de données.